Donc ici, vous avez le séchoir à saucisson, quoi, avec les différents saucissons. C'est avec cette saucisse sèche que Johan Collet a décroché une médaille d'argent au Salon de l'agriculture la semaine dernière. Cet éleveur de porc fermier a aussi obtenu une médaille d'or pour son pâté de campagne, une récompense pour toute l'exploitation familiale qui depuis 30 ans produit de la viande, des conserves et salaisons. On fabrique un peu comme on faisait le porc autrefois, donc c'est les recettes de ma grand-mère, comme quand on faisait le cochon à la ferme. Donc toutes nos recettes sont faites qu'avec des produits naturels, donc les porcs qui sont élevés sur la ferme, et donc sans conservateurs ni additifs. Le pâté de campagne, c'est un peu le pâté de ma grand-mère, donc on est toujours content quand il est primé. Donc ça, la saucisse sèche aussi, on est assez content parce que ça, c'est nous qui avons créé ce produit-là avec mon père et les salariés. Johan a pris la relève de son père sur l'exploitation il y a 8 ans. C'est là qu'il a débuté la transformation et la vente directe à la ferme avec la volonté de mieux valoriser les produits et de se rapprocher des consommateurs, avec succès aujourd'hui. On a démarré où on transformait juste à peu près 2 porcs par semaine. Aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de porcs par semaine. Et ça a permis aussi de créer 7 emplois. Ça s'est développé au fur et à mesure. Et puis, il y a eu une grosse accélération avec la crise de la Covid où les consommateurs se sont rapprochés des producteurs locaux. Les produits sont vendus sur place et dans des épiceries fines. La ferme a aussi pour projet de créer un séchoir à jambon pour être en mesure de transformer elle-même la totalité de sa production.